Les estimations. Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des estivales de la question animale. Les estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Elles se déroulent chaque été en France depuis 2002, pendant environ 2 semaines. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu du coup à cette présentation dans laquelle nous allons parler d'insectes et même d'élevage d'insectes. Je vais essayer de rester un peu plus court qu'hier pour avoir plus de temps après pour les questions-réponses parce qu'en général c'est un sujet qui déclenche beaucoup de questionnements. Et n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation s'il y a des choses pas claires pour vous ou que vous voulez détailler un peu plus. Et sinon les questions à la fin pour débattre ou pour des nouvelles réflexions ou des commentaires. Alors, l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler de l'élevage d'insectes, parce que c'est un sujet qui, à mon sens, est encore très peu abordé dans la cause animale, et qui me semble assez important, notamment parce que depuis quelques années, et quand je dis quelques années, il faut vraiment comprendre seulement 3, 4, 5 ans, donc très récemment, il y a eu beaucoup de victoires politiques, réglementaires pour l'élevage d'insectes, beaucoup de nouveaux investissements, et que la France est aujourd'hui un des pays pionniers dans l'élevage d'insectes. Et donc, comme nous sommes en France, ça semblerait logique qu'on s'intéresse, parce qu'il y a peut-être plus de possibilités d'action, étant donné qu'on est dans des pays qui met vraiment ça en avant. Donc, au programme d'aujourd'hui, donc tout d'abord, j'aimerais rendre compte voilà, de l'importance des enjeux et du momentum à notre disposition pour essayer de faire quelque chose à propos de l'élevage d'insectes, tant que c'est encore temps. Ensuite, j'aimerais vous partager des arguments contre l'élevage d'insectes, notamment sur ses supposés bénéfices pour l'environnement. Enfin, proposer des pistes d'action pour s'opposer à l'élevage d'insectes. Et après, des questions et discussions, et prendre aussi vos idées à vous de ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire, voilà, pour s'y opposer. Et d'ailleurs, est-ce que ça devrait ou pas être une priorité? On peut peut-être se dire que finalement, réflexion faite, il y a d'autres choses plus prioritaires et on garde ça en tête, mais on verra plus tard. Donc juste, je précise bien ici que j'ai quand même parlé de l'élevage d'insectes, surtout en Occident, parce que c'est ce qui nous concerne plus et que c'est là où il y a vraiment une nouveauté. Hors d'Occident, en fait, la consommation d'insectes, elle est déjà très importante. Il y a environ 2 milliards de personnes qui consomment environ 2000 espèces d'insectes différentes. Il faut savoir que c'est surtout en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et c'est principalement des insectes sauvages qui sont attrapés ou cueillis. Il y a un peu d'élevage d'insectes aussi, mais c'est beaucoup moins. Enfin, c'est pas du tout le plus grand nombre d'animaux. C'est des élevages de taille modérée. Et j'en parle vite fait parce qu'après, j'aurai plus l'occasion, mais il faut savoir que du coup, cette cueillette d'insectes sauvages, ça a des répercussions après. Sur la biodiversité, et ça a aussi des impacts environnementaux qui sont assez négatifs, mais pas tant pour les émissions de gaz à effet de serre ou l'usage de terre, juste parce que du coup, après, les écosystèmes sont perturbés, et il y a des vrais questionnements en ce moment sur
le fait que ce ne serait pas viable de continuer à accueillir autant d'insectes dans la nature et que peut-être que ces pays-là devraient aussi se mettre à l'élevage d'insectes. Quoi. Petite parenthèse, mais on va surtout s'inscrire dans un cadre occidental après. Du coup, en Occident, l'insecte, c'est un animal qu'on consomme très peu et dont on n'a pas très bien envie de manger. Et je trouve que quelque chose qui illustre assez bien ça, c'est dans une émission de télé-réalité, je pense que beaucoup de gens connaissent, il y a une épreuve où ils doivent goûter des trucs un peu dégueux, c'est présenté comme ça en tout cas, et souvent ils doivent manger des insectes, ils disent « Ah, c'est horrible, manger des insectes, etc. » Alors que la même épreuve, si on la faisait en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, pourrait sans doute pas très impressionnante. Voilà, sur ça, il se souvient du dégoût qu'on a vis-à-vis des insectes, au point que ça devient une sorte d'épreuve d'en manger. Ça fait très longtemps qu'on ne mange plus d'insectes en Occident, ça n'a pas toujours été le cas avant d'en manger un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, il y a quelques élevages qui sont très peu professionnalisés, notamment pour nourrir les animaux domestiques comme les serpents ou les reptiles, etc. Donc, c'est des élevages peu professionnalisés qui ne sont pas du tout menés dans des conditions sanitaires qui seraient propices pour la consommation humaine. Et ce qu'on observe quand on fait des études sur ce que pensent les gens de la consommation d'insectes, on voit qu'il y a un dégoût qui est très très fort et une acceptabilité très faible, on pourra y revenir, même si cette acceptabilité peut être modulée, notamment si les insectes sont consommés sous forme de poudre, par exemple dans des pâtes d'insectes ou pour faire des burgers d'insectes, etc. En fait, quand l'insecte n'est pas totalement visible, l'acceptabilité augmente mais elle reste assez basse. Et en fait, malgré ces préjugés qu'on a vis-à-vis des insectes, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui voient les insectes comme un aliment assez vertueux, que ce soit pour ses apports nutritionnels ou son bénéfice pour l'environnement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, si on leur dit nourriture du futur, ils vont souvent penser aux insectes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de headlines qui titrent des choses qui laissent penser à ces idées-là. Du type, pourquoi les insectes sont la nourriture du futur? Pourquoi nous mangeons tous des insectes en 2050? C'est vraiment une narrative qu'on retrouve beaucoup, de l'insecte comme nourriture un peu miraculeuse, qui certes ne fait pas très envie, mais qui est super et qu'on sera peut-être contraint de manger. Il y a eu une année charnière du coup dans la question de l'élevage d'insectes, notamment en Europe, c'est 2013, parce qu'il y a ce rapport qui est sorti, avec mon meilleur accent, ça donne Edible Insects Future Prospects for Food and Feed Security. Et en fait, c'est un rapport donc, de la FAO qui mettait en avant les bénéfices de la consommation d'insectes, soit pour la consommation humaine, soit pour l'alimentation animale, notamment d'un point de vue nutritionnel et environnemental. Et en fait, depuis ce rapport en 2013, on a vraiment eu une explosion de ce sujet dans les médias, qui revient régulièrement. Si vous regardez en 2013, j'ai eu beaucoup d'articles là-dessus, et de temps en temps, ça revient, des articles sur les insectes, c'est un sujet qui revient souvent, et avec toujours un peu la même narrative, de dire « Ah, c'est vraiment super pour l'environnement, il faut manger des insectes. » Et c'est vraiment un discours, le rapport, pour l'avoir lu, qui est vraiment à sens unique, c'est-à-dire que les insectes sont présentés comme une solution, il y a très peu de limites qui sont présentées, alors même que dans d'autres papiers de recherche, il y a quand même des barrières qui sont évoquées, des risques, etc. Et donc c'est peut-être pas du coup... le fait que ce rapport soit vraiment très positif vis-à-vis de la consommation d'insectes n'est peut-être pas étranger à la narrative très pro-insectes qu'on voit. Dans ce rapport, un truc amusant, c'est qu'il y a très peu de questionnements sur le bien-être animal. En fait, au contraire, ils disent même que la consommation d'insectes serait bien pour le bien-être animal, parce que du coup, on consommerait moins d'animaux d'élevage, comme si les insectes étaient un peu une sorte de végétal. C'est un peu bizarre. C'est vraiment une année charnière. Et après 2013, donc, il y a eu un intérêt médiatique, politique et des investisseurs très forts. Juste pour vous résumer un peu les arguments pro-environnement du rapport. Celui qu'on entend tout le temps, c'est que comme les insectes ont un taux de conversion alimentaire qui est très élevé, c'est-à-dire la capacité à transformer la masse de nourriture dont ils se nourrissent en masse, enfin en poids, ça veut dire qu'ils sont très efficients pour transformer de la nourriture en viande ou en nourriture avec une valeur nutritionnelle de qualité, beaucoup plus que ne sont les autres animaux. Et c'est notamment du fait que les insectes sont des animaux à sang froid, et donc ils n'ont pas besoin de dépenser de l'énergie pour se chauffer. Donc si on donne 2 kg de protéines à des insectes, ils vont créer 1 kg de masse. Alors que ce serait des chiffres beaucoup moins élevés, enfin beaucoup plus élevés, qu'il faudrait pour obtenir le même kilo de
masse si on nous laissait des poulets ou des vaches. L'autre argument qui est très souvent avancé, c'est que les insectes peuvent être élevés et nourris via des flux organiques secondaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement des aliments qui ne pourraient pas être consommés soit par les humains, soit par les animaux d'élevage, et qui sont aujourd'hui considérés comme des déchets. Je ne sais pas, par exemple, si vous faites pousser des cultures de maïs, il y a peut-être une partie dans le maïs qui ne sont pas aujourd'hui utilisées pour nourrir les humains ni les animaux d'élevage, mais en fait les insectes, certains en tout cas, pourraient le manger et donc valoriser ces déchets-là. Et donc on retrouvera un peu le concept d'économie circulaire, de dire qu'il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de déchets, et on peut valoriser des choses qui aujourd'hui ne le sont pas, tout en étant un impact positif sur l'environnement. Donc aussi, a priori, ils émettraient relativement peu de gaz à effet de serre et relativement peu d'ammoniac. Ils nécessitent beaucoup moins d'eau que l'élevage de bovins et ils présenteraient un faible risque de transmission d'infections zoonotiques. Voilà, donc ça, c'est les arguments pro-environnement du rapport de la FAO que je vais un peu malmener tout à l'heure sous vos yeux ébahis. Mais je pense que c'est bien que vous ayez en tête. Et je pense que la plupart vous parlent peut-être, vous avez déjà entendu des idées un peu de cet ordre-là. Donc voilà, pour revenir juste un peu sur l'engouement médiatique et politique, je vous ai mis quelques exemples. Donc à gauche, des titres d'articles, grand tirage, donc alimentation du futur, des insectes dans nos assiettes. Et si les insectes étaient la nourriture du futur, pourquoi nous mangeons tous des insectes en 2050 ? Et pour le côté politique, un truc à savoir, c'est qu'en France, on est à fond derrière l'élevage d'insectes, notamment parce qu'on a cette entreprise qui s'appelle Insect, qui est vraiment un de nos fleurons des startups françaises, qui a levé des centaines de millions d'euros. Et par exemple, quand Insect a ouvert sa ferme verticale en France, il y a à peu près un an, quelques mois, je ne sais plus, ils ont eu 3 ministres qui sont venus pour l'ouverture de la ferme, donc Barbara Pompili, ministre de l'écologie, Julien de Normandie, ministre de l'agriculture, je ne me souviens plus qui était le dernier. Et voilà, on a vraiment cette passion pour les insectes en France, avec un soutien politique qui est très élevé. Et en fait, ce soutien politique, il n'est pas étranger au fait qu'aujourd'hui, la plupart des insectes, enfin des boîtes qui cultivent des insectes, se destinent pas à l'alimentation humaine, mais à l'alimentation animale. Et donc du coup, ça ne rentre pas en concurrence avec l'élevage d'animaux pour la viande. C'est en partie ce qui explique, je pense, le fait qu'on est venu de Normandie qui soit très remonté contre la viande cultivée ou la viande végétale, alors qu'il est à fond derrière les insectes. Et voilà, donc un engouement politique très important aussi. Et pour vous montrer un peu ce que c'est au niveau des investissements, donc je n'ai pas trouvé les chiffres après 2020, j'en suis désolé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que comme vous voyez, donc depuis 2015 ici, et donc en fait ça fait suite au rapport de la FAO plus ou moins directement, il y a eu une explosion des investissements dans les boîtes qui font de l'élevage d'insectes. Et en France, on a notamment deux boîtes qui sont pionnières là-dedans. Donc on a Insect, dont j'ai parlé auparavant, qui a levé 404 millions de dollars. C'est colossal. Et on a aussi Innovafeed, qui a levé 195 millions de dollars. Et ces deux boîtes font principalement de l'alimentation animale. Et elles ont quelques produits pour l'alimentation humaine, mais c'est clairement pas la majorité de leur business. Et donc voilà, c'est... ça, c'est deux boîtes françaises, et ça correspond déjà à une part assez importante des investissements au niveau mondial, mais il y a aussi d'autres boîtes ailleurs dans le monde qui ont des bons investissements, notamment les pays un peu pionniers. Il y a aussi à voir les Pays-Bas et un peu les États-Unis, mais la France est vraiment dans le top 3. Il y a aussi des évolutions réglementaires assez importantes récemment. Donc au niveau de l'UE, on a eu depuis 2021 trois espèces d'insectes qui ont été autorisées à la commercialisation. Donc le ver des farines, le criquet migrateur et le crayon domestique. Ils seront probablement rejoints bientôt par le scarabée buffalo qui a obtenu l'accord de l'UFSEA, mais pas encore celui de l'UE. Et on voit aussi un lobbying très important de la International Platform of Insects for Food and Feed. Donc en fait, l'organisation parapluie sur laquelle se regroupent les boîtes qui font l'élevage d'insectes pour autoriser l'utilisation d'insectes pour les animaux d'élevage, dans les élevages intensifs, etc. Enfin, il y a beaucoup d'activités à ce niveau-là et beaucoup d'évolutions très rapides. Bon, une fois qu'on a dit ça, peut-être que on pourrait dire, bah, finalement, les insectes, c'est pas un problème. J'ai parti du principe que c'est un problème des insectes pour en manger. Et
voici pourquoi, enfin, vous vous présenter pourquoi je pense que c'est un problème. La première chose, c'est qu'on a de plus en plus d'études qui suggèrent que les insectes sont capables de souffrir et seraient dotés d'expériences subjectives. Le souci, c'est que ces études-là, pour l'instant, elles vont concerner surtout les animaux sociaux, comme les abeilles, et on n'a aucune étude à ma connaissance qui a été faite sur la sentience des insectes qui sont utilisés dans les élevages principalement. Donc si on revient là-dessus, c'est vers de farine, criquet migrateur et grillons domestiques. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir si on peut inférer des études sur les abeilles, si les insectes sont en effet, les insectes qui sont utilisés pour l'élevage sont en effet sentients. En tout cas, ça peut aider à créer le doute et à vouloir qu'on ait un peu une sorte de principe de précaution, puisqu'on a des données pour d'autres insectes qui les suggéraient qu'ils sont sentients. Ensuite, quelque chose de tout bête, mais même en mettant que les insectes soient moins sentients ou souffrent moins que les animaux d'élevage quand on les malmène, il faut une quantité astronomique d'insectes pour produire la même quantité de viande qu'une vache. J'ai pas pris la peine de chercher un ordre de grandeur, mais c'est absolument colossal, et du coup, finalement, le fait que les insectes soient peut-être moins sentients, je sais pas, ça a du sens de dire ça, ça peut quand même être compensé par le fait qu'il en faut beaucoup plus, et donc on n'aurait pas négligé cet aspect-là. Et ensuite, comme c'est encore très nouveau et que les insectes sont apparemment considérés comme des animaux dignes d'intérêt, aujourd'hui il n'y a vraiment aucune argumentation, à ma connaissance, sur les conditions d'élevage et de mise à mort des insectes. Donc là où l'élevage d'animaux d'élevage classique est quand même très encadré, bon, pas assez et clairement pas de manière satisfaisante, malgré tout, vous ne pouvez pas tuer les animaux n'importe comment, vous ne pouvez pas les élever n'importe comment, et l'alimentation, etc. Ce n'est pas le cas encore pour les insectes aujourd'hui. Et typiquement, ce qu'on peut voir, c'est que Insect, la méthode de mise à mort que eux privilégient, semble assez contradictoire avec celles qui seraient des moins sources de souffrance pour les insectes, d'après ce que dit la littérature. En gros, la littérature dit qu'il faudrait plutôt, par exemple, les broyer ou d'abord les endormir dans le froid, et Insect, il les tue en les cuisant. Enfin, ouais, du coup, c'est un peu à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Un point très important aussi, c'est que les insectes en Europe se destinent principalement à l'alimentation animale. Et le risque qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une sorte de greenwashing de la viande, des producteurs de viande qui nous disent « Ah mais non, nous, notre viande, elle émet beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'on utilise des insectes et que ces insectes, c'est bien pour l'environnement, etc. » Je reviendrai là-dessus sur cet argument, mais c'est déjà ce qu'on peut voir. Et en fait, même si on pense que les insectes, par exemple, n'ont pas de sentience et qu'ils n'ont pas dignes d'intérêt, en fait, juste le fait qu'ils peuvent faciliter l'élevage et l'aider à s'acheter une nouvelle virginité, ça pourrait nous inquiéter parce que ça va venir en support à l'élevage intensif. Et enfin, on parlait hier des protéines alternatives. Donc, les insectes, c'est parfois considéré comme une source de protéines alternatives, notamment par les gens qui ne sont pas des militants pour les animaux. Ça, c'était dedans. Bah pareil, les investissements vers des boîtes d'insectes, c'est des investissements qui auraient pu aller potentiellement vers des boîtes de viande végétale, de viande cultivée, de boîtes qui font de la fermentation de biomasse, ce genre de choses. Donc il peut potentiellement y avoir une concurrence. Un truc que je n'ai pas évoqué sur Astyle, mais qui peut éventuellement nous amener à relativiser aussi peut-être l'importance de l'élevage d'insectes, c'est qu'on a très peu d'études pour savoir si les conditions d'élevage des insectes les font souffrir ou non. C'est-à-dire qu'on sait que les animaux d'élevage, on ne peut pas les entasser par milliers, coller les uns contre les autres. Les insectes, ce n'est pas dit que ça leur pose un souci, parce que c'est un comportement qu'ils peuvent avoir dans la nature. Et en fait, on a vraiment surtout un gros gap de connaissances là-dessus, de savoir si la manière dont ils sont élevés, la manière dont ils sont tués, sont un problème. Et si, par exemple, il s'avère que les insectes sont très heureux quand ils sont élevés en étant entassés par milliers et qu'il y a des mises à mort non douloureuses pour eux, bah, ça peut peut-être amener à relativiser l'importance qu'on va apporter à ce problème-là. Dans tous les cas, dans le doute, je pense qu'on aurait besoin de davantage d'études. Et il y a aussi les risques, comme j'évoquais, de concurrence avec les autres protéines alternatives et de greenwashing de la viande. Donc, sur l'ensemble des insectes, je vais passer très rapidement parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence, donc j'ai juste reprendre ce que j'ai pu lire, mais n'hésitez pas à me contredire si ça vous semble pas pertinent avec ce que vous avez pu lire. Donc, de ma compréhension, on a des preuves de plus en plus solides
sur le fait que certains insectes sont sentients. J'insiste sur le certain, en fait, parce que les études, comme je disais, comment est-ce qu'on peut vraiment inférer depuis les études sur les abeilles pour les vers de farine, c'est assez compliqué de le dire. On n'a pas d'études sur les insecticides dans les élevages. Et voilà, du coup, dans le doute, principe de précaution. Et aussi, quelque chose qui me semble important à préciser aujourd'hui, c'est que on a une absence totale de contre-discours vis-à-vis de l'élevage d'insectes. C'est-à-dire que on a des médias qui nous disent c'est super, et on a des entreprises qui sont totalement en train de cadrer la narrative autour de l'élevage d'insectes. Et en fait, on écoute ce qu'eux disent, et c'est eux qui cadrent le débat. Et ces entreprises arrivent à dire qu'elles sont super pour l'environnement. Et du coup, on dit, ah, c'est vrai que c'est super pour l'environnement. Il n'y a aujourd'hui aucun, à ma connaissance, contre-discours qui permet de s'opposer à l'élevage d'insectes et de poser des arguments, ce qui est un peu problématique et qui montre qu'il y a peut-être une place à prendre ici et quelque chose à faire. Et voilà, quand on se voit que les gens de la fille de l'insecte sont invités à des conférences autour du changement climatique ou là, du développement durable, ça te hérisse le poil parce que ça me semble pas très justifié quand on fait du feed pour les animaux d'élevage. Voilà, donc tout ça pour dire que ça, c'est un peu les problèmes et là où on en est aujourd'hui. Et du coup, pour moi, il y a vraiment une opportunité unique d'agir maintenant parce que malgré les progrès rapides, il y a encore pas mal de barrières pour que l'élevage d'insectes se démocratise. Donc, à la fois des verrous réglementaires et économiques. Aujourd'hui, ça coûte encore cher de produire des insectes pour l'alimentation animale ou humaine. Mais c'est pas dit que le prix diminue pas dans quelques années. Il y a tant de raisons qui diminuent. Mais donc, c'est encore le moment d'agir, quoi. Les insectes sont encore très peu acceptés par les consommateurs. Donc, c'est peut-être plus simple de s'y opposer maintenant que quand les gens auront un peu été désensibilisés à ça parce qu'ils auront mangé des insectes sous forme de petits crackers ou de burgers, et ils se sont dit oh, finalement c'est pas si mal, et qui ont évolué. Donc le fait qu'il n'y ait aucun contre-discours, ça laisse une place à prendre aujourd'hui, que pourraient prendre éventuellement les militants animalistes avec des arguments à opposer, de manière à ce que quand les médias fassent comme sujet la consommation d'insectes, en fait ils aient un acteur à s'adresser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on est un journaliste qui veut écrire sur les insectes, et qu'on se dit bon, comment je fais pour avoir un point de vue mesuré avec ou des gens qui se poseraient à l'insecte, quels sont leurs arguments. Je pense qu'il n'y a personne qui peut aller voir aujourd'hui en France, même dans le monde, il y a très peu de gens. Et on a besoin d'acteurs en fait qui du coup sont clairement identifiés comme s'opposant à l'élevage d'insectes pour pouvoir mieux cadrer le débat public et que ce soit pas totalement à sens unique. Donc comme je le disais aussi, il y a un momentum important de l'élevage d'insectes qui a beaucoup de progrès en quelques années. Ça va très vite et donc vaut mieux le faire maintenant que plus tard. Et en fait, les gens sont encore aussi, les gens sont très peu renseignés sur l'élevage d'insectes et ses conséquences. Et peut-être que les discours qu'on peut avoir maintenant vont être importants parce que les premières impressions peuvent rester durablement. Et c'est plus facile de jouer maintenant sur la narrative et de déconstruire des arguments avant qu'ils soient totalement installés et beaucoup plus considérés comme la connaissance de base, alors que ça n'en est pas. Et donc, dans la présentation, je vais vous présenter les arguments, surtout environnementaux, contre l'élevage d'insectes. En fait, on pourrait se dire pourquoi se concentrer sur les arguments environnementaux, sachant que je pense que pour beaucoup d'entre nous qui sommes dans cette salle, ce qui nous embêterait avec l'élevage d'insectes, c'est plus ces arguments éthiques. En fait, le premier point, c'est que je pense aujourd'hui, la question de la souffrance des insectes, elle n'est pas du tout prise au sérieux par la plupart des gens, que ça fait beaucoup rire qu'on s'imagine. Que des gens soient inquiets pour des moustiques ou pour des insectes en général. C'est un peu triste, mais il faut aussi prendre en compte, pour pas apparaître comme des ovnis quand on vient leur parler. Il y a aussi encore très peu de données sur la sentience des insectes. Et du coup, c'est difficile d'avoir un argumentaire qui va au-delà de juste bah, on sait pas trop, principe de précaution, faut faire attention. Et donc, si on peut avoir un argumentaire un peu qui amène d'autres éléments, ça peut aider à être plus audible et à être plus sérieux. Et en l'occurrence, on a des arguments environnementaux qui existent avec de la littérature scientifique et qui peuvent être invoqués pour justifier de s'opposer à la consommation d'insectes. Et du coup, en fait, comme on a beaucoup d'études qui peuvent faire un argument solide, je pense que c'est plus simple d'aborder les prendre de décision, les médias, avec des arguments sur l'environnement que sur l'éthique, même si on peut quand même préciser
que, en plus de ces considérations environnementales, il y a vraiment beaucoup de points d'interrogation au niveau de la sentience des insectes et des conséquences que ça pourrait avoir d'un point de vue éthique. Mais en tout cas, ça ne peut pas être la porte d'entrée, je pense, d'où l'importance de maîtriser un peu les arguments environnementaux. Donc le premier argument qu'il faut avoir en tête, et qui à mon sens est vraiment le truc qu'on doit toujours garder en tête quand on parle des insectes, c'est que ça se destine vraiment essentiellement à l'alimentation animale. Les boîtes qui lèvent le plus d'argent sont des boîtes qui font de l'alimentation animale. Les experts qui s'intéressent au sujet disent tous que selon eux, les insectes ont un potentiel limité pour la consommation humaine en Europe, mais un gros potentiel pour l'alimentation animale. Et donc quand ils sont destinés aux feed, les insectes, ils servent à nourrir les poules, les poulets, les cochons et les poissons. Et ils viennent se substituer soit aux farines de poissons qui sont utilisées pour nourrir les poissons d'élevage, soit aux farines végétales comme des farines de soja, etc. Le truc, c'est que les impacts de l'élevage, ça ne se limite pas à l'alimentation animale. Certes, une grande partie des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des terres via l'élevage, c'est principalement lié à le, à la, au feed, à son, à ce avec quoi on nourrit les animaux, mais il y a d'autres problèmes environnementaux qui sont liés à l'élevage et qui ne sont pas liés à l'alimentation animale. Et de fait, se concentrer uniquement sur l'alimentation animale et dire, ah regardez, en fait, on a des animaux qui sont nourris avec une solution qui est moins nocive pour l'environnement, c'est vraiment être un peu aveugle sur le sujet et ne pas apprécier l'impact de l'élevage sur l'environnement dans sa globalité. Et donc, pour vous donner des exemples d'autres impacts sur l'environnement liés à l'élevage, on a l'eutrophisation qui correspond en fait à une abondance de nutriments dans l'eau. Liées par exemple aux déjections des animaux d'élevage, qui entraînent une croissance excessive des plantes et des algues, qui vont absorber des grandes quantités de dioxygène. Et en fait, comme elles vont absorber tout le dioxygène, voilà, plus il y en aura dans l'eau, et donc les poissons vont mourir asphyxiés, et c'est tout l'écosystème aquatique qui va mourir, in fine, à cause de cette prolifération de plantes très gourmandes en dioxygène. Un autre point, c'est la pollution de l'air. Et donc je m'appuie ici sur une étude des États-Unis qui estime que les effets de l'agriculture sur la santé liés à la qualité de l'air entraînent environ 16 000 décès par an, dont 80% sont imputables aux aliments d'origine animale. Donc c'est pas rien. Il y a des estimations qui vont encore plus haut que ça. Et enfin, on a aussi la pollution génétique, donc qui est le terme utilisé par exemple lorsque des saumons d'élevage vont s'enfuir. Ils vont se reproduire avec des saumons sauvages. Et en fait, comme les saumons d'élevage ont été hyper sélectionnés et pas du tout sélectionnés pour les caractéristiques qui favorisent leur survie, etc., ça fait que les saumons sauvages vont être moins adaptés et ça peut entraîner des perturbations dans les écosystèmes. Bref, tout ça pour dire que on peut pas juste dire qu'en changeant l'alimentation animale et en ayant une alimentation animale qui soit mieux pour l'environnement, ça suffit à dire que d'un coup, l'élevage est parfaitement acceptable d'un point de vue environnemental, et c'est quelque chose à rappeler à ces boîtes-là, qu'elles s'adressent à un problème de manière extrêmement partielle. Ensuite, on peut aussi juste s'interroger sur si l'alimentation animale est réellement mieux pour l'environnement que l'alimentation, enfin, que ce avec quoi on nourrit les animaux aujourd'hui. Pardon. Est-ce que les insectes utilisés pour l'alimentation animale sont mieux pour l'environnement que ceux qu'on utilise, comment dire, que l'alimentation animale pas à base d'insectes? Donc à base de farine de soja ou de farine de poisson. Donc je vais appuyer ici sur trois études qui globalement arrivent à la conclusion que les insectes, c'est pas si bien que ça, et ça performe pas mieux que des protéines de soja, ou même que parfois que des concentrés à base de farine de poisson. Je vous laisse éventuellement, si vous voulez, les citations que j'ai traduites de ces articles. Mais en gros, donc, non seulement l'alimentation animale, c'est un point de vue très partiel des problèmes liés à l'élevage, mais en plus, c'est même pas dit que les insectes fassent mieux que ce qui est déjà utilisé aujourd'hui pour l'alimentation animale. En fait, on voit très mal quel est leur intérêt à ce moment-là. Les quelques études qui sont un peu positives, elles sont souvent pas très bien publiées. Notamment, il y a InnovaFeed qui disent oui, nous, on a fait une étude qui montre que.
les insectes qu'on utilise sont mieux pour l'environnement que l'alimentation animale à base de soja, etc. Et en fait, ils publient leurs papiers dans des revues semi-prédatrices où il faut payer pour être publié et on n'a pas accès à leurs données, donc on a juste les croire sur parole. Enfin bon, c'est pas les meilleures preuves, quoi. Un autre argument du coup qui est souvent utilisé, c'est le fait que les insectes sont nourris avec des déchets organiques. Et en fait, en effet, si les insectes étaient nourris avec des matières qu'on ne pourrait pas valoriser autrement, il y a de bonnes raisons de penser qu'ils auraient un impact positif pour l'environnement, à la fois parce que du coup, la nourriture utilisée pour les insectes aurait pas vraiment d'impact sur l'environnement, puisque ce serait des déchets, et en plus, ça pourrait aider à mieux recycler, etc. Le truc, c'est que dans les faits, on observe que les entreprises aujourd'hui sont très peu à nourrir les insectes avec des déchets organiques, en tout cas celles qui font des élevages d'insectes. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que il y a des réglementations sanitaires assez strictes qui font qu'on ne peut pas donner tout et n'importe quoi aux animaux d'élevage. Par exemple, vous ne pouvez pas nourrir des insectes avec de la viande. Ça paraît bête parce qu'on ne voit pas pourquoi on devrait nourrir de la viande, mais imaginons par exemple qu'on puisse nourrir des insectes avec la viande avariée ou en fin de date ou qui serait autrement gâchée. Bon, en fait, ça pourrait du coup permettre de valoriser des matières qui sont sinon gâchées. Et ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. La réglementation ne permet pas. Une autre piste, c'est des gens qui disent que les insectes, on pourrait les nourrir avec enfin, de la manure, enfin, des déjections animales. Et c'est vrai qu'il y a des animaux, notamment la mouche soldat noire, qui sont capables de se nourrir de déchets, donc de déjections animales. Mais pareil, pour des raisons sanitaires, aujourd'hui, ce n'est pas privilégié. Par exemple, parce que les insectes vont avoir tendance à conserver les métaux lourds dans leur corps, et qu'après, ça peut ensuite se transmettre. Aux humains qui les consomment. Donc, quand on passe par entre-temps les animaux d'élevage, c'est un peu moins grave. Bon, en tout cas, bah, y a tout ça pour dire qu'il y a des opportunités éventuellement d'alimentation qui pourraient être des déchets organiques non valorisés, mais qu'on ne peut pas valoriser aujourd'hui pour des raisons sanitaires. Ça peut évoluer, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Un autre point, c'est que parfois, en fait, ces déchets organiques, ils ne sont pas assez nutritifs pour les insectes et ça ne peut pas constituer une alimentation viable. Donc, il y a un papier de 2015 sur lequel je m'appuie, qui montre que, en fait, quand on nourrit ces insectes avec, je sais pas, les peaux de légumes, tous ces déchets-là qui n'étaient pas valorisés et qui étaient récupérés dans le voisinage, et qu'on essayait de nourrir des criquets avec, en fait, les criquets étaient beaucoup à mourir au bout de quelques semaines, ou grandissaient moins vite, etc. Et donc, en fait, tous les déchets organiques ne sont pas pertinents et ne sont pas valorisables non plus pour les insectes qui ont besoin quand même d'un certain. De certains nutriments pour bien grandir et pour être viable économiquement aussi du coup. Un truc bête aussi, c'est pas toujours moins cher en fait d'utiliser des déchets organiques parce qu'il n'y a pas encore les circuits de distribution qui existent et aussi parce que c'est vraiment très peu cher d'acheter juste des céréales que vous nourrissez ensuite aux insectes. Ouais. Et en fait, truc tout bête aussi, c'est que il y a beaucoup de feed qui sont utilisés pour les insectes qui sont déjà utilisés pour les animaux d'élevage. Et en fait, du coup, l'insecte fait juste rajouter une étape supplémentaire. Donc, en bas, je vous ai mis un morceau d'article qui, globalement, est super positif par rapport aux insectes, qui dit ouais, c'est super, etc. Et à la fin, il précise quand même que bon, il n'y a aucune ferme d'insectes qui utilise des déchets organiques. Alors qu'ils disent en gros, c'est super, il faut faire ça. Mais il précise bien que personne ne le fait. Ils disent bon, ça a changé quand l'industrie mature, mais on en est encore loin. Et du coup, bah, petit exercice de logique, si les insectes mangent des céréales, est-ce que vous pensez qu'il est plus efficace de nourrir des insectes avec du maïs et ensuite donner ces insectes à nourrir à des poules, ou de directement nourrir les poules avec du maïs, ou de directement manger le maïs? Voilà. Et c'est une question de logique assez bête, mais qui manifestement échappe à beaucoup de gens qui sont à fond pour les insectes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des insectes, ils sont vraiment nourris avec des céréales qui pourraient servir à la consommation humaine. Enfin, c'est un peu une sorte d'énorme scam, et ça paraît assez bizarre qu'il n'y ait pas plus de gens qui mettent ça en avant. Et vraiment, en fait, tant qu'on nourrit pas les insectes avec des aliments qui peuvent pas être valorisés autrement, ben, en fait, l'insecte fera toujours juste rajouter un maillon de plus dans la chaîne qui fait perdre en efficacité.
Et finalement, la condition sine qua non pour que l'élevage d'insectes soit positif pour l'environnement, c'est que y ait ces déchets organiques qui soient utilisés pour les nourrir, mais comme on le voit, il y a encore pas mal de barrières pour le moment. Et enfin, une dernière étude que je trouve intéressante, donc c'est une étude en économie qui s'intéressait sur. Imaginons en effet que les insectes, on les nourrisse avec des déchets organiques qui ne sont pas valorisables autrement, c'est quoi les effets sur le marché? Et donc en gros, ce qu'ils observent, c'est que, bon, a priori, il y a beaucoup de déchets qui pourraient être utilisés en théorie pour les insectes. Et en fait, si on utilise ces déchets pour les insectes, on ne voit pas pour autant une baisse des émissions de gaz à effet de serre agricole. Pourquoi? En fait, c'est assez simple. Je vous ai mis l'explication à droite. C'est qu'en gros, si on utilise des déchets pour nourrir les insectes, d'après l'étude, il y a des chances que ça puisse réduire la baisse des coûts de l'alimentation animale. Donc, si on baisse le coût de l'alimentation animale, ça va baisser le coût de la viande. Si on baisse le coût de la viande, ça augmente la consommation de viande. Et donc, au final, manger plus de viande, ça émet plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et les émissions qu'on a émises en moins en nourrissant les insectes, enfin, en nourrissant les animaux d'élevage avec un feed moins émetteur, sont compensés parce qu'on consomme plus de viande. Et donc, d'un point de vue animaliste, c'est encore plus embêtant parce que non seulement ça met plus de gaz à effet de serre, mais on mange encore plus d'animaux. Sachant que les animaux qui peuvent se nourrir d'insectes, c'est les poules, les poissons et les cochons, donc des animaux qui déjà n'ont pas la meilleure condition de vie aujourd'hui et qui ont la plus grande quantité de souffrance par kilo de viande. Donc, en fait, même en prenant l'hypothèse que le feed d'insectes, enfin que les insectes soient nourris avec avec des aliments qui sont des déchets, c'est même pas dit que ça, c'est un impact positif pour le climat, à cause des effets de marché. Et enfin, un dernier point que j'ai évoqué, c'est le fait qu'en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, les insectes sont des animaux à sang froid. C'est ce qui leur permet d'avoir un excellent taux de conversion alimentaire. Mais du coup, ça veut aussi dire que pour grossir rapidement et pour survivre, ils ont besoin d'être élevés à des températures élevées. Et quand j'ai élevé, c'est plutôt 30 degrés que 15 degrés. Et du coup, en fait, ça crée une demande importante en énergie pour nourrir ces insectes. Et en fonction de l'énergie que vous utilisez, si elle est décarbonée ou pas, de l'efficacité de votre système, etc., ça peut créer une demande supplémentaire en énergie et des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas toujours prises en compte dans les analyses sur l'impact environnemental des insectes. Du coup, toc, toc. Pour résumer un peu, du coup, donc l'utilisation d'insectes comme feed, c'est vraiment quelque chose qui est selon moi très facile à attaquer d'un point de vue environnemental. Et je pense que c'est important de le faire et de rappeler que c'est cette décision qui est prise aujourd'hui et sur laquelle on a encore très peu de preuves solides pour dire que ça permettra en effet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation. Et c'est d'autant plus important de le rappeler qu'aujourd'hui, l'entomophagie dont on parle, donc le fait de consommer directement les insectes, en fait, ça sert un peu de cheval de Troie à l'utilisation d'insectes comme feed, parce que tous les articles, tous les articles que vous trouvez sur la consommation d'insectes, ils vous parlent toujours des humains qui consomment des insectes, et très rarement des insectes pour l'alimentation animale, alors que c'est clairement la tendance qui se dessine. Et le truc, c'est que là où c'est plus difficile d'attaquer sur l'environnement la consommation d'insectes direct, même si on peut le faire, c'est beaucoup plus simple d'attaquer l'utilisation d'insectes pour l'alimentation animale. Et donc, il faut rappeler vraiment cette tendance qui est celle-là. Et donc, voilà, comme je dis, donc l'alimentation animale via les insectes, c'est une solution qui est à la fois partielle et assez superficielle aux problèmes environnementaux liés à l'élevage. On a beaucoup d'articles scientifiques qui sont encore assez sceptiques quant à l'intérêt d'une alimentation animale à base d'insectes par rapport à l'alimentation animale assez classique. Et faut pas qu'on se laisse impressionner par les discours et les promesses des entreprises qui disent non, mais nous, regardez, dans nos cuisines, on utilise uniquement des déchets organiques. On a fait cette étude qui montre ceci, etc. Parce que souvent, c'est juste pas vrai. Et en plus, c'est pas dit pour autant que ça suffise à avoir un impact positif. Enfin, vraiment, pour avoir fouillé dans la littérature, aujourd'hui, je vois pas comment on peut affirmer que le feed à base d'insectes est mieux pour l'environnement que le feed à base de soja. Et enfin, voilà. Et on peut juste aussi rappeler tout bêtement que
ces boîtes-là, en fait, qui font de l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale, ben, en fait, ce qu'elles font, c'est juste qu'elles contribuent à nourrir les animaux d'élevage et donc elles contribuent à renforcer l'élevage intensif. C'est pas du tout des boîtes qui s'intéressent à d'autres enjeux importants comme la question animale, comme la question de l'antibiorésistance. Dans un contexte où il y a de plus en plus de gens qui sont opposés à l'élevage intensif et qui s'inquiètent de l'antibiorésistance, en fait, rappeler que les insectes servent juste à alimenter les industriels, je pense que ça peut aussi être une faveur. Hop. Et du coup, maintenant, on va parler très rapidement d'entomophagie, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que beaucoup des arguments que j'ai évoqués précédemment peuvent tout aussi bien s'appliquer à la consommation d'insectes directs. Donc, le fait qu'ils aient besoin d'énergie, le fait que ça dépend de ce avec quoi ils sont nourris, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pour l'alimentation d'insectes. Là où par contre ça semble un peu par rapport à l'alimentation animale, c'est que pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études dans la littérature qui trouvent que la consommation d'insectes par les humains aurait des impacts sur l'environnement qui seraient plus faibles que la consommation de viande. Je vous ai cité ici une étude de 2012, donc qui commence un peu à dater, mais qui sont des résultats qui sont très positifs pour les insectes. Et on voit qu'ils trouvent que les poulets de chair sont associés à des émissions 32% à 167% plus élevé en équivalent CO2 que les vers de farine, et qui nécessite 2-3 fois plus de terre et 50% plus d'eau. Donc on trouve vraiment des études tout à fait sérieuses qui disent que oui, en effet, consommer directement les insectes, c'est mieux pour l'environnement. Après, là où je pense qu'on peut se montrer un peu plus critique, c'est déjà en interrogeant la validité externe de ces études. D'une part, parce que la plupart de ces études, elles ont été réalisées dans des élevages à très petite échelle, dans des conditions optimales ou impossibles à reproduire en Occident. Par exemple, si vous faites un petit élevage dans un pays chaud où il n'y a pas besoin de nourrir les insectes et où en fait le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins élevé, en fait c'est peu enfin c'est avantageux pour l'élevage d'insectes d'un point de vue environnemental, mais c'est des conditions qui ne peuvent pas être reproduites en Occident. Et d'ailleurs, on a des études qui suggèrent que c'est très difficile de conserver les bénéfices environnementaux de l'élevage d'insectes quand on passe à l'échelle industrielle. En gros, quand on sort de juste le petit élevage qui est très intégré dans un système où, voilà, je sais pas, imaginez la personne dans un pays chaud qui a ses animaux d'élevage et quelques insectes aussi, qui va nourrir ses insectes avec ses déchets, etc. C'est pas du tout les conditions industrialisables pour des raisons sanitaires, pratiques, de main-d'œuvre, etc. Et quand on essaye de passer à l'échelle les élevages d'insectes, on perd beaucoup ses bénéfices. Avec toujours la question de savoir avec quoi on nourrit les insectes qu'on les mange après ou qui servent pour l'élevage. Et donc, une des rares études que j'ai trouvées dans le contexte européen trouve par exemple que l'impact environnemental des insectes serait environ le même que celui des poulets de chair. Donc on voit qu'en fait, si on sort des études hors du contexte européen, c'est pas si bien que ça. Et les poulets de chair, ils ont certes un impact environnemental assez faible par rapport aux autres types de viande, mais ça reste pas extraordinaire et surtout ça reste beaucoup plus élevé que les autres protéines végétales et alternatives. Et en fait, ce qu'on peut juste se dire, c'est comment justifier en fait la pertinence de consommer des insectes face aux autres protéines alternatives? Notamment parce que si on en gros les insectes ils ont au mieux un impact environnemental similaire aux autres protéines alternatives et probablement un impact supérieur s'ils sont plus proches des émissions de gaz à effet de serre du poulet. Et donc alors même qu'ils ont des émissions de gaz à effet de serre pas si avantageuses que ça par rapport aux protéines alternatives, ils se retrouvent en plus très peu populaires. Et donc pour cette étude récente qui compare l'acceptabilité pardon, de différentes protéines alternatives, y compris des insectes, et qui trouve que 60% des gens se disent prêts à essayer les protéines végétales, contre seulement un quart des gens qui se disent prêts à essayer les insectes. Et en fait, plus encore, c'est que non seulement les gens ne se disent pas prêts à essayer les insectes, mais ils déclarent même que rien ne pourrait les inciter à en manger. Donc c'est pas seulement qu'ils sont pas très chauds pour en manger, mais ils sont même très très opposés à en manger, ce qui n'est pas le cas pour les protéines végétales. Donc en gros, non seulement les insectes ne constituent pas une meilleure alternative
en tout cas du point de vue environnemental, aux autres protéines alternatives. Mais en plus, a priori, les consommateurs ne sont pas très sots. Donc en fait, pourquoi pousser les insectes par rapport à pousser l'alimentation, enfin les viandes végétales, etc. C'est assez intriguant et je pense que c'est un argument qu'on peut relever, de juste dire que le coût d'opportunité n'est pas si intéressant que ça. Pardon, le coût d'opportunité est important et il y a des alternatives à la viande qui sont plus pertinentes et plus prometteuses. Du coup, on passe à la dernière partie. Comment lutter contre l'élevage d'insectes? Bon, j'ai mis vraiment juste des toutes petites pistes parce que je voudrais surtout qu'on en discute ensuite ensemble. La première chose, à mon avis, c'est qu'il ne faut pas laisser aux entreprises le monopole du discours, le cadrage du débat et le rôle d'expert. Et un truc que j'aime bien faire et qui agace beaucoup d'entreprises, c'est de répondre sur leur post LinkedIn parce que LinkedIn, ils en servent par exemple pour parler aux autres investisseurs, pour montrer que c'est super. Et à chaque fois que je pose un commentaire sous une boîte d'insectes sur LinkedIn qui critique un peu ce qu'ils font, j'ai 3-4 employés d'entreprise qui viennent me répondre dans les 2 heures qui suivent. C'est assez rigolo. Mais de manière générale, c'est juste aujourd'hui, c'est ces entreprises qui cadrent le débat, qui sont libres de dire sans souci que les insectes, c'est super pour l'environnement et on ne vient jamais les remettre en cause, que ce soit dans les médias ou dans la communication. Et je pense que c'est un truc qu'on peut faire. En disant, bah, écoutez, vous dites ça, mais telle étude dit plutôt ça, comment vous l'expliquez? Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut vraiment rappeler que l'entomophagie, qui est vraiment ce qui est vendu et ce dont on parle, en fait, c'est un leurre. C'est pas du tout l'utilisation principale qui sera faite des insectes. Les insectes, ils sont destinés, pour l'instant, en tout cas en Occident, à utiliser pour l'alimentation animale. Avec, en fait, le fait que c'est beaucoup plus facile d'attaquer l'alimentation animale que le. Enfin, l'utilisation d'insectes pour l'alimentation animale que l'utilisation pour la consommation humaine. Il faut vraiment rappeler quand on voit des articles qui disent les insectes nourriture du futur, de dire non, non, mais enfin, les insectes aujourd'hui c'est utilisé pour l'alimentation animale, pas pour les humains. Et en fait, ça va servir à nourrir l'élevage industriel. À nourrir l'élevage industriel. Et voilà, ça je pense c'est important de le rappeler aussi. Un truc super important aussi, c'est de dire en fait, on a besoin de plus de recherche à la fois en fait. De recherche sur la sentience des insectes utilisés pour les animaux d'élevage, parce qu'aujourd'hui on n'a juste pas de données là-dessus, et ce serait bien d'en avoir, mais aussi juste des données avec de l'élevage d'insectes issus d'élevage en Occident, et qui prend en compte pas seulement un scénario un peu idéalisé de l'élevage d'insectes, mais des conditions réelles de concrètement ce que font les boîtes, quoi. Et en fait, finalement, est-ce que ce qu'il faudrait, c'est pas juste créer une nouvelle organisation pour lutter contre les insectes? Et moi, je pense que ce serait une bonne idée. J'ai déjà pu d'ailleurs en parler à des gens présents dans la salle ici. Et pourquoi je pense que c'est une bonne idée? D'une part, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la France est vraiment un des pionniers sur le sujet. Et donc, avoir une organisation française centrée sur la France et les insectes, ça aurait du sens par rapport à ça. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est une organisation qui mette en avant des arguments éthiques et environnementaux solides. Donc environnementaux parce que c'est politiquement plus entendable, et éthiques pour commencer à faire poser cette question-là dans l'espace public. Et en fait, surtout, l'intérêt d'avoir une organisation, c'est que on crée en fait cet interlocuteur pour avoir un discours qui aille dans la contradiction. Comme je vous disais, aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous voulez faire un sujet sur les insectes, si vous voulez des gens avec des arguments contre, à qui vous adressez, quoi. Y a personne. Et en fait, si on a une organisation qui existe, ça peut montrer que la contradiction, déjà, elle existe, alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas évident qu'elle existe. Enfin, on peut croire que c'est vraiment consensuel, ce qui n'est pas le cas des études scientifiques, que personne ne lit, mais soit. Donc, déjà, cette contradiction, elle existe, et il y a des gens qui peuvent être en mesure de la porter. Et en fait, je pense que si on n'a pas d'organisation vraiment qui axe ça dans sa raison d'être, ça risque d'être compliqué de montrer qu'il y a des gens qui s'opposent à ça. Ensuite, l'organisation, elle pourrait contribuer à financer ou du moins demander des financements pour plus de recherches, notamment sur la science des insectes utilisés pour l'élevage. Et enfin, ça peut permettre d'avoir un acteur qui peut faire des actions médiatiques. Faire du lobbying auprès des régulateurs et donc proposer une vision alternative de l'élevage d'insectes par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui.
et occuper un champ qui n'est pas encore occupé. Voilà, c'était tout sur l'élevage d'insectes. J'ai essayé de rester court, j'espère que c'était compréhensible. Et au plaisir d'en parler avec vous là, tout de suite, maintenant, ou plus tard dans la journée, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ta présentation qui était très complète et très intéressante. Alors moi j'ai aussi une question. Qu'est-ce que tu penses de cet argument qui est donc avancé par les gens qui font la promotion de l'élevage d'insectes en France notamment et en Europe, de dire que c'est pour une sortie de la dépendance au soja d'Amérique du Sud par rapport au fourrage, au feed. Moi c'est ce C'est l'argument qui m'a paru le plus difficile à contrer. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait faire en sorte de contrer cet argument-là, quoi? Ouais. Voilà. En fait, je pense qu'un truc intéressant à rappeler, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est que finalement, en fait, la France importe assez peu de soja pour le feed. Oui, mais en fait, en pourcentage de l'alimentation animale, c'est pas tant que ça, en fait. Bah, c'est conséquent, mais je veux dire, les insectes vont pas. Comment dire? C'est pas ça qui va. Enfin, c'est. Je cherche comment dire. Mais c'est. C'est pas. Comment dire? C'est. D'une part, les insectes vont aller beaucoup plus loin que juste ça, en fait. Enfin, si on produit des quantités industrielles. Et ensuite, ça reste. Un impact relativement, enfin, une part malgré tout relativement faible de l'alimentation animale. Et en fait, dans tous les cas, ça reste le problème de, bah, en fait, c'est utilisé pour nourrir les animaux. Et ça peut peut-être certes diminuer un peu les émissions de gaz à effet de serre, ça reste à prouver. Mais il y a plein d'autres problèmes. Et enfin, même si on apporte moins de soja. C'est pas dit pour autant que les insectes émettent moins d'émissions de gaz à effet de serre, tout ça. Enfin, c'est. Ouais, pardon, je n'ai pas compris la question. Ah, pour indépendance, ok, pour autonomie alimentaire. Ouais, bah, enfin, autonomie alimentaire, elle est aussi beaucoup plus simple si on mange directement les céréales et qu'on ne donne pas à manger aux animaux. En fait, c'est. Oui. Bah, en fait, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est juste que l'autonomie alimentaire peut passer par d'autres chemins et que ces chemins, ça peut notamment être le fait de consommer moins de viande pour que les céréales qu'on fasse pousser soient mangées par les humains et pas par les animaux. Et le problème, c'est que c'est un discours qui n'est pas très audible aujourd'hui. Et quand on regarde là, dans les derniers plans, enfin, en ce moment, il n'y a pas de discussion sur l'autonomie alimentaire qui reviennent. Et les solutions qui sont proposées, c'est jamais moins de viande et plus de végétal. Alors que c'est une solution qui est parfaitement entendable. Et je pense que ce qu'ils disent, c'est enfin, faut juste rappeler que c'est une solution parmi d'autres, mais que les autres solutions, c'est en effet de diminuer la consommation de viande, et que, encore une fois, avec quoi ils nourrissent leurs insectes. Pour l'instant, je sais que Innovafeed, donc ils ont leur plan d'usine intégré où l'usine est à côté d'une amidonnerie, et du coup, ils nourrissent leurs insectes comme ça. C'est ce qu'ils disent. Insectes, je sais pas c'est quoi leur promesse pour les insectes et les déchets organiques, mais. Encore une fois, il ne faut pas se baser sur une seule usine pour dire que ce sera un modèle qui sera viable à long terme. De bois? De bois mort? Je ne sais pas hein, s'ils vont vraiment faire comme ça ou si ça va être plus compliqué, mais ils parlent de bois mort et de déchets végétaux. Effectivement, ils ont parlé de viande, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire. Mais Ouais. essentiellement de bois mort pour la mouche noire, oui. Ok. Parce qu'en plus, insectes, ils sont plutôt sur les vers de farine que la mouche noire, en plus. Ils sont plutôt sur les C'est vers... dans la ils sont Somme, plutôt hein. sur... ils sont plutôt sur les vers de farine que la mouche noire, en plus, C'est celui insectes. de la Somme hein, qui est dans la Somme, hein, insecte. Hein. Non, insectes, ils sont dans le nord, je Ah crois. non, oui, dans Oui, l'Hauts-de-France, c'est dans la Somme, ouais, oui, c'est ça. ouais, ok. Ouais, mais il parlait ça Ok, de bois faudrait que je mort. vois, mais c'est pas un peu étrange comme ça.
Ouais, je me pose une question par rapport à, tu parlais du risque de transmission de maladies. Je me demandais du coup si, si on pense nourrir les insectes avec des animaux, est-ce que dans ce cas-là, même s'il n'y a pas de maladie des insectes qui sont spécialement transmissibles aux animaux, est-ce que de nourrir des insectes avec des animaux, puis nourrir des animaux avec ces insectes, ça peut faire vecteur par contre Honnêtement, j'en sais rien. Pardon ? Honnêtement, j'en sais rien, je sais pas. C'est pas tourner mes compétences. Mais enfin, en gros, de ce que j'ai compris, c'est que depuis du coup donc le scandale de la vache folle, on ne veut plus trop nourrir les animaux avec des farines animales. Enfin, on évite. Hein. Et c'est en partie pour ça qu'on ne veut pas nourrir les insectes avec de la viande. Mais je ne sais pas si c'est justifié ou si c'est juste un reliquat de ce scandale qu'il y a eu quelques années. Je ne sais pas du tout. Bonjour. Est-ce qu'il y a un précédent sur des insectes qui se seraient échappés d'un élevage et qui auraient déstabilisé un écosystème à proximité? Est-ce que ça peut être un argument de dire que si on utilise des insectes qui ne sont pas censés être là, ils pourraient poser problème en s'échappant? Je ne sais pas. Après, je trouve que ça va beaucoup dépendre du type d'insecte. Par exemple, les vers de farine, ils vont difficilement aller très loin. Et pour d'autres insectes, honnêtement, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait de précédent. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une recherche génétique sur les insectes concernant les différentes souches? Ouais, totalement. De la même manière qu'on a optimisé génétiquement les animaux d'élevage pour qu'ils soient les plus productifs possibles et optimisés, il y a de la recherche pour avoir des insectes qui soient les plus optimisés aussi. Et donc, pour les adapter aux conditions d'élevage. C'était ça ta question du coup ? Oui, il y a des recherches là-dessus. Ouais. C'est en cours. Alors, je me demandais s'il y avait vraiment des raisons de croire que parler de l'environnement serait plus impactant que parler de l'éthique. J'ai pas d'études pour te dire que oui ou non. C'est juste que mon impression, quand on discute avec des gens, déjà c'est compliqué de faire parler. Enfin, c'est difficile de parler d'éthique animale pour des animaux qui nous sont très ressemblants et très familiers. Et pour les insectes, les gens ont souvent trouvé ça risible en général. Et, je pense que tout le monde se souvient quand Henri Caron a parlé de moustiques il y a quelques années, où tout le monde avait rayonné, c'était une grosse blague. Mon impression, mais je peux avoir tort, et si les gens pensent l'inverse, je suis content d'entendre leurs arguments. Mon impression, c'est qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de faire entendre que les insectes peuvent souffrir, peuvent être sentients et qu'on doit prendre leurs intérêts. Et c'est notamment parce que les insectes sont parfois même pas tant que ça perçus comme des animaux, mais juste comme des, c'est pas un truc un peu à part. Et est-ce qu'à l'inverse, les personnes qui à qui on parle de l'environnement sont vraiment intéressées par l'environnement? C'est-à-dire? Est-ce qu'elles vont prendre en compte ce critère en fait dans leur choix de consommation, par exemple? Très peu. Merci. Oui, pour continuer sur ce qui vient d'être dit, les fois où j'ai été confronté à des gens qui défendaient l'utilité ou le bien fondé de l'élevage d'insectes pour l'entomophagie, parce qu'ils ne parlaient que de ça, j'ai réagi avec des arguments éthiques, parce que les arguments environnementaux, il me semblait qu'ils motivaient plus ces personnes à dire oui, mais tous ces problèmes environnementaux, c'est parce qu'on n'a pas encore avancé dans la recherche, et donc ça les motivait encore plus à faire de la recherche pour encourager l'élevage d'insectes, dans l'espoir un peu technoscientiste que ça aboutirait à un élevage d'insectes verts.
Et du coup, j'essaie de trouver une manière de les convaincre que si, il y avait aussi un problème éthique, en me basant sur le fait que les gens qui défendent l'élevage d'insectes pour l'entomophagie étaient a priori d'accord sur le fait qu'il y avait un problème avec le bien-être animal avec les mammifères. Du coup, j'essaie de convaincre que en fait, le parallèle avec les insectes pour le bien-être animal était fondé. Il me semble que parler d'éthique, c'est pas une cause perdue, quoi. Il faut quand même insister là-dessus. Bah, je pense qu'on peut essayer. Après, politiquement, je pense que c'est plus difficile. Si tu vas voir des députés en leur disant vous savez, une secte, finalement, c'est peut-être pas super parce que je sais pas. Enfin, je pense qu'il faut essayer. Hein. Moi, mon avis, c'est qu'il faut utiliser les deux, environnement et éthique, mais que, à la limite, si on utilise que l'éthique, hein, on va nous ironner. Si on utilise que l'environnement, on peut être entendu. Et idéalement, utiliser les deux pour commencer à créer cette question-là, tout en ayant des arguments aussi. Enfin, comme je disais aussi, le truc, c'est que là, on a vraiment zéro étude sur la sentience des insectes d'élevage, comme le ver de farine, etc. Donc, en fait, on peut dire, ah, mais peut-être les insectes, ils souffrent, etc. Ils vont dire source. Voilà, bah, les abeilles, oui, mais c'est les abeilles. Oui, mais voilà, tu vois, on peut rien dire. Alors que pour l'environnement, on a des études qui peuvent montrer que. Enfin, je sais pas si c'est clair du coup. Ouais, bah, le truc, c'est que en fait, dans les arguments environnementaux, tu as des choses qui peuvent être résolues avec plus de recherche, mais tu as aussi des choses qui sont intrinsèquement bizarres. Par exemple, peu importe comment tu avances sur le fait que les insectes soient mieux en termes environnementaux que les alternatives à base de soja, par exemple, pour l'alimentation animale, bah, ça reste quand même une solution très partielle au problème, tu vois, parce que ça ne va pas toucher à. L'eutrophisation, ça ne va pas toucher à la pollution de l'air, ça ne va pas toucher à l'antibiorésistance, etc. Et ça, toute la ressource que tu feras ne changera pas ça pour les insectes. De la même manière, en fait, tant que tu n'as pas réussi à. Tant que tu n'as pas des avancées réglementaires importantes sur l'utilisation de certains déchets organiques possibles pour le feed des insectes, bah, ils seront limités par la contrainte. Idem, tu vois, les mécanismes de marché où bah, moins de. Si on diminue le coût de l'alimentation animale, ça augmente, diminue le coût de la viande, tu vois, etc. C'est aussi des choses qui peuvent être entendues et en fait, qui ne pourront pas se résoudre uniquement avec plus de recherches. Il y a des arguments qui n'ont pas besoin de. Qui ne dépendent pas de ça, quoi. C'est bon? Oui. Tu proposais à un moment d'éventuellement créer une nouvelle organisation à ce sujet, mais je me demandais, est-ce que ça n'aurait pas beaucoup plus de poids si on rejoignait plutôt une organisation environnementaliste déjà existante? Et est-ce qu'avec tes recherches, tu aurais en tête déjà quelques organisations qui pourraient être sensibles à cette question? En fait, peut-être qu'on pourrait rejoindre des organisations existantes. Après, le truc, c'est que je ne sais pas si les organisations existantes auraient envie d'investir une part significative de leurs ressources dans ce problème-là. Je pense qu'en fait, même parmi les associations environnementalistes, beaucoup ont plutôt un a priori positif vis-à-vis de l'élevage d'insectes. Et même si elles n'ont pas un avis très fort, je les vois mal considérer ça comme suffisamment important pour en faire un nouveau... un nouvel axe de bataille chez elle, mais peut-être que je me trompe. C'est plutôt ça, en fait, de me dire... je vois pas d'organisation existante qui aurait les ressources et la motivation d'en faire un nouveau combat. Mais peut-être qu'il y en a, hein, c'est juste que ça me vient pas en tête, là, comme ça. Merci beaucoup, Tom.
Je me dis, une façon de parler de la question du bien-être des insectes, c'est de souligner à quel point l'industrie prend peu au sérieux cette question. Et notamment Antoine Hubert, qui est le directeur de Insect, a sorti un petit livre il y a peut-être 6 mois, qui s'appelle « Pour une écologie positive », je crois, dans lequel il parle vraiment de son aventure entrepreneuriale avec Insect. Et il y a une toute petite partie qui parle du bien-être des insectes, où il explique que pour avoir un avis sur cette question, il a demandé à des étudiants en philosophie de la Sorbonne de plancher sur le sujet dans le cadre d'un TP, quelque chose comme ça, et que le résultat de ces travaux d'étudiants en philo rejoignait ses propres intuitions sur le sujet, à savoir que les insectes sont davantage de l'ordre des végétaux que de l'ordre des animaux, et que ça informe son point de vue sur la question de leur bien-être. Donc moi j'ai trouvé ça extrêmement choquant de lire ça, enfin à quel point le sujet est traité d'une façon très problématique. Et donc voilà, je pense que c'est une façon d'aborder le sujet du bien-être des insectes qui pourrait être porteuse. J'ai une question aussi. Il me semble que il y avait un projet, alors pas français francophone, mais un projet peut-être plus global sur la question du bien-être des insectes et de comment réagir à l'élevage, qui était issu de l'altruisme efficace, qui devait être lancé tout début 2022, dans mes souvenirs. Et j'ai pas de nouvelles de ce projet. Je voulais savoir si tu en avais. Non, c'est un peu bizarre. J'ai pas de nouvelles non plus. Et la personne qui était responsable de ce projet fait autre chose maintenant. Et je ne sais pas si du coup, c'est que le projet a été récupéré par quelqu'un d'autre et que c'est pour ça que c'est un peu de retard, ou si ça a été abandonné. Mais oui, c'était le Insect Welfare Project. Mais non, je n'ai pas de nouvelles non plus. Après, même si ce projet existait encore, je voyais quand même de la valeur à faire un truc en France spécifiquement, du fait des particularités de la France par rapport à l'élevage d'insectes. Qu'on a deux des plus grosses entreprises là-dessus, des politiques hyper enthousiastes qui poussent à fond là-dedans. Mais non, c'est une bonne question et j'aimerais bien savoir aussi. Est-ce que tu veux conclure la conférence ? Déjà merci à vous pour vos questions et votre écoute. Je pense que ces conférences ont surtout pour objectif de lancer un peu des pistes de réflexion et voir s'il y a des gens qui, dans le minimaliste, étaient d'accord pour dire que ça semble être un problème important ou pas. Moi, je ne prétends pas avoir la réponse définitive. Et si vous pensez que c'est en effet important de s'opposer à l'élevage d'insectes, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et s'il y a des gens que ça intéresserait, je les invite vraiment à me contacter pour réfléchir à ça. Moi, je sais que créer une organisation, je veux bien aider à le faire, mais après, je ne veux pas mes responsabilités là-dedans parce que j'ai trop de trucs à faire déjà. Mais s'il y a des gens qui seraient chauds, on peut en discuter. Et, j'ai déjà commencé à écrire des documents là-dessus sur la stratégie de l'asso qui serait sûrement pertinente et qui sont vraiment libres à discussion, mais voilà, juste j'ai commencé à créer une base là-dessus et très ouvert du coup aux propositions ou aux gens qui aimeraient contribuer à ce projet-là. Bon, vas-y. Je voudrais savoir si toutes les sources que tu as citées ont servi à la présentation, on peut y accéder, tu peux les donner. Je les ai pas inclus, je peux vous les envoyer, ouais. Il n'y a pas de souci. Toutes ou certains en fait.